Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, on est en direct live, on est sur Sortir au Maroc, comme d'habitude nous sommes à Casablanca. Nous sommes où à Casablanca? Alors là on a le fameux Sharia Zertouli, d'accord, pour ceux qui connaissent. Et le croisement, le fameux croisement avec Boulevard d'Anfa. Et là-bas, Felkont, eh bien vous avez la station Total. Eh bien tu vois quand tu montes là comme ça, tu vas dans cette direction, et eh bien la première, tu tournes ici, d'accord. Ton repère il est là, c'est le lac des Signes, d'accord. Et là, tu vas toujours tout droit. Ok, donc on y va. On va faire vite. Comme ça, on va pas passer un temps fou. Le GPS marocain, on va dire ça comme ça. Voilà. Et là, t'avances. Je peux pas courir plus vite que ça. Je suis désolé, les amis. Ok. Et là, t'arrives ici. Chez Madame Monsieur. Madame Monsieur, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Et ben voilà, c'est un nouveau restaurant, les amis, qui vient d'ouvrir il y a à peu près une dizaine de jours. Et on vous le présente aujourd'hui en exclusivité sur Sortir au Maroc. Alors, ce resto, vous allez voir, c'est une merveille. Rien que par son cadre, rien que par sa carte, rien que par ses prix, rien que par son service. Non, ça fait quand même beaucoup de choses, d'accord? Mais vous allez voir que c'est plutôt sympa. Regardez, rien que ça, c'est le petit déjeuner, brunch, 9h, 14h. 49 dirhams, 69 dirhams, 69 dirhams, 49 dirhams. Des brunchs à ces prix-là, les amis, d'accord? Et à côté, on a les après-midi avec une formule à 29 dirhams, avec une assiette mixte, crêpes, pancake, miel, fruits, chocolat, noir, fait maison, plus boisson chaude. Le tout, 29 dirhams. Et justement, on y est, on est arrivé, voilà, ça c'est le logo de l'enseigne. Et je vais vous faire découvrir. Ah, Khalid, salam alaikum, chef. Kidir, ça va? Bon, là, je l'ai vu et il a fait ça. J'ai cru qu'il allait mettre une patate. Kidir, c'est Khalid, ça va? Eh bien, salik, mzien, tranquille. Voilà, on voit qu'apparemment, ils sont en train de préparer. Le gars, il a tapé la pause. Bon, regardez, les pizzas sont faites en direct. Comme vous pouvez le voir, là, c'est quoi? C'est une pizza? Là, c'est lasagne, ça? Lasagne. D'accord, ok, excellent. La pizza, elle est là, elle est préparée en direct par le chef. Chef, salam alaikum. Kidir, ça va, là, salik, mzien, tranquille. Super. Mabsartek. Continue. Dernier un de pepperoni, d'accord? Bon voilà les amis, donc là on est dans le nouveau resto qui s'appelle Madame Monsieur, comme vous pouvez le voir. Ok, voilà, ça c'est le cadre. On va s'approcher un peu plus, on va regarder un peu. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de place. Non, vous inquiétez pas, le patron qu'on va voir tout à l'heure va nous expliquer le pourquoi justement il n'y a pas beaucoup de place. Mais vous inquiétez pas. Donc voilà. Bon, il y a quelques plats qui sont déjà posés en table, mais c'est normal, c'est fait exprès. C'est parce que je vais vous présenter avec lui la carte. On continue. Alors la terrasse, il y a des gens qui sont en train de déjeuner, on va pas les déranger, mais voilà, vous avez une petite terrasse ici. Hop, on tourne par là. Voilà, on a une très jolie terrasse, les amis. Voilà. Bon, il y a des gens qui sont en train de déjeuner, comme je vous l'ai dit. On ne les filme pas. Et on revient tout de suite voir le patron des lieux, Anwar. Salam alaikum. Kider, ça va, la Sadiq? On fait le fameux coup de poing. On recommence. Voilà, voilà, c'est parce que c'est devenu le nouveau salam alaikum. Tu mets avant de serrer la main. Ouais, il y en a, ils se mettent des coups de coude jusqu'à ce qu'à la fin ils n'ont plus de coude. Comment vas-tu, Anwar? Ça va, merci. Ça va, la forme, tout va bien? Alors, Anwar, tu es donc celui qui a eu l'idée de lancer Madame Monsieur ici à Casablanca. À Casablanca. Tu as ouvert il y a combien de jours? Une dizaine de jours à peine. Attends, je sais que ça va embêter certaines personnes, mais je peux te demander de baisser le masque pour qu'on t'entende bien. Chouïa. Voilà, allez, super. Donc tu m'as dit à peu près une dizaine de jours? Une dizaine de jours. D'accord. Explique-moi une chose, Anwar. C'est la crise en ce moment. Les gens sont tous en train de se poser la question de comment on va faire pour tenir nos restaurants. Et toi, tu décides d'ouvrir un restaurant pendant la crise, c'est ça? Bah, je crois que la crise est derrière nous. C'est vrai? À ce qui paraît que tout fonctionne, les vaccins, ça va, il y a moins de malades. Il va falloir investir. Et si on n'investit pas maintenant dans une phase qui a été descendante et maintenant ascendante, d'accord, on ne va jamais le faire. Alors explique-moi un peu ton expérience. Tu es de la restauration, tu es venu comme ça? Je ne suis pas de la restauration. D'accord. J'étais directeur commercial d'une foncière. D'accord. Ici au Maroc? Non, à Paris. Tu étais à Paris, d'accord? À Paris. Je suis rentré au Maroc il y a maintenant 6 mois de ça. 6 mois maintenant? 6 mois. Passionné par les restaurants. Passionné par les bons plats et la nourriture. D'accord. Je me suis dit, pourquoi pas un restaurant? Pourquoi pas un restaurant? Et du coup, tu as lancé? Du coup, j'ai lancé le Madame Monsieur dans le quartier de Racine. Quartier de Racine, voilà, d'accord. Comme vous voyez, je me suis inspiré d'un ensemble de choses pour pouvoir créer l'environnement et le décor que vous voyez. Alors, explique-moi déjà, pourquoi Madame Monsieur?
Je vais vous dire, aucune idée. C'est vrai. J'en discutais avec ma femme qui me dit, madame, monsieur. Je lui dis, allez, pourquoi pas madame, monsieur. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, donc maintenant, les gens vont pouvoir dire, on va chez madame, on monsieur. Va chez madame, monsieur. On peut dire madame, monsieur Kabbel, madame, monsieur Parada, monsieur madame. Et bientôt Kabbel, leurs enfants. Et leurs enfants, exactement. Bah, Inch'Allah, je crois savoir que tu as d'autres projets dans le futur en plus. Dans un futur très proche. Très proche, Inch'Allah. Notre madame, monsieur. On va pouvoir lancer aussi bientôt une plateforme de réservation et de commande sushi, madame, monsieur. On est en train de travailler sur la carte. On est là pour investir. Je peux montrer vite fait ce qui se passe là-haut ou pas? Ouais, bien sûr. Voilà, les amis, donc en fait, ici. Il y a la cuisine qui très prochainement sera dédiée exclusivement à la livraison. À la livraison. Bureau, emporté, domicile, tout. Livraison. Vraiment. Emporter, livraison. On et. 90 mètres carrés. 90 mètres carrés d'espace. Là-bas, pour pouvoir mijoter nos petits plats pour pouvoir les livrer. Et emporter aussi. Bah, super. Dis-moi, Anwar, alors la carte, on peut voir une carte là, tout de suite. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as proposé dans cette carte? Qu'est-ce que propose madame monsieur? Alors. Les boissons, chaudes, on passe. Voilà. On est parti sur les cocktails. C'est la même chose. Tout ça, c'est du tout est tout fait ce maison. Qui est jus de fruits, tout, voilà. Etc. Voilà. Tout est fait maison. Okay, après ces minutes. Les petits déjeuners, on est parti sur 2, 3, 4 formules. D'accord. Ça va de 25 euros. Ben, 25 euros. 25 ah ouais, euros. Non. Pardon, alors les amis, dirhams. Plutôt 250 dirhams, hein, c'est ça le change. Hein. De 25 dirhams à 35 dirhams au max. On a 2 formules à 29. D'accord, donc et ça commence à partir de 25 dirhams. 25 dirhams. Voilà, et ensuite on a du 29 dirhams, 35 dirhams. Et donc accessible dirhams, vraiment voilà, à tout le monde. À tout le monde. Là, franchement, on peut pas discuter là. À on est d'accord. Les salades, comme vous voyez, c'est le must. Ouais. On a travaillé les sauces et on travaille qu'avec des produits frais. D'accord. Voilà. Voilà. Les Pokéballs, pour ceux qui connaissent. Tiens, ouais. On a préparé un non, ici. Attends, on va pas les voir tout de suite. Ah on bon va juste présenter la carte et tout à l'heure, on va les voir. Ok, d'accord. Donc, on a des Pokéballs, mais vous inquiétez pas, les amis. Je vais vous les montrer. On va être avec le chef Custo. On sera en compagnie d'Anwar. Et vous allez voir, ça va être sympa. Donc, on a des Pokéballs. On a 4 Pokéballs. Avec voilà, des formules qui commencent à 69, le végétarien. 79, 85. D'accord. On continue. On a des burgers également. Avec le cheeseburger, chicken burger, royal, fish, donc à partir de 42 dirhams, 69 dirhams, ben c'est pas cher hein, quand même. Bah j'ai l'impression qu'on de... peut manger pour quoi, à peu près 60-70 dirhams. 70 dirhams, on a une entrée plat dessert, ouais. ou une entrée plat et une boisson. En gros, pour moins de 100 dirhams, on mange bien on chez mange toi. Bien. Pour moins de 100 dirhams. Voilà. D'accord. Je vois qu'il y a aussi des sandwichs. Les sandwichs avec un pain maison. Ah d'accord, j'allais te demander justement quelle est la spécialité du sandwich pour voilà. Que tu puisses proposer des sandwichs c'est dans ta un carte. Pain maison c'est un pain qui maison est fait par nos amis Pizzaiolo là-bas. Salam alaikum les amis. Ok, super. Plusieurs sandwichs, divers et variés. D'accord. Voilà, ils sont tous servis avec salade et frites. Salade et frites, voilà. D'accord. Donc 35 dirhams, 40-45 dirhams. Ça inclut en plus la salade voilà. Ou frites, c'est ça? Ou frites. Ok, super. Le club sandwich, lui, il est à 30 dirhams, que ce soit la charcuterie ou le poulet. D'accord. Je vois qu'il y a après, aussi des on pâtes. A les pâtes. Ok. Les pâtes, la même chose. La bolognaise, en fait, les plus demandées quelque part. Et on a pris. Voilà, ça, c'est un must. Les lasagnes au saumon. Donc c'est saumon radis, saumon fumé. Voilà, saumon radis, yeah. Saumon. J'adore. Le risotto gambas, énorme. Ouais. C'est un risotto et le riz, il est cuit dans un jus de crustacé. D'accord, ok. Plus un crémeux, c'est vraiment un must. À goûter. Alors je vois qu'il y a une formule enfant. On a une petite formule enfant. Super, donc nuggets, mini pâtes, boisson au jus. Ouais. Voilà, mini burger, boule de glace ou mini dessert, 45 dirhams. 45 dirhams. C'est bien, sympa. Ah, pour finir, on a aussi plats. Des plats. On a les plats. On a les moi je pensais qu'en fait, elle est vraiment rentrée que dans le fast-food. Non, non, en fait, non. On a vraiment aussi des on plats. On a aussi des plats. On, a, voilà, on est parti sur. On a un cuisinier en fait qui a gambadé un peu. On a un cuisinier qui a gambadé et qui a été et qui a travaillé dans des cuisines à Dubaï, Abu Dhabi. Et du coup, il a ramené quelques touches qui sont à lui. Le shish taouk, le chicken crispy, qui sont quelques touches à lui. Sinon, on a la milanaise, les brochettes. Je vois que vraiment les tarifs sont vraiment
raisonnable, abordable. On reste toujours à avoir une très bonne qualité dans l'assiette et un prix très abordable. Super. Voilà. Continue. Les pizzas qu'on vous avait vues en... au début. Voilà, donc les pizzas sont faites maison. J'ai vu que tu as fait construire un four là-bas sur mesure. Ouais. Donc vraiment, c'est préparé, pièce, balancé directement. La pièce maîtresse du restaurant. D'accord. L'entrée avec notre four. Je suppose que si je te demande est-ce que tes pizzas sont bonnes, tu vas pas me dire non. Je vais dire goûtez si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas satisfait, ne la payez pas. Gars, vous avez entendu les amis. Là, ils vont tous revenir, ils vont dire elle était bonne, ah, on va dire qu'elle était pas bonne. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, on a vraiment tout type de pizza. Il y a des formules également. On a les formules. Ça, c'est les formules de quoi, alors ? Les formules du midi, comme le soir. Les gens, ils peuvent venir à tout moment. D'accord, donc il y a les formules du midi, les amis. Brochette au choix, salade plus dessert, 59 dirhams. Ouais, bah, en fait, voilà, pour moins de 70 dirhams, on se ruine pas du tout, les amis. Il y a un menu duo, donc pour deux personnes, pizza plus pâte plus de dessert, 99 dirhams. Voilà. Bon, là, c'est donné. Et t'arrives à gagner de l'argent avec ça ? On arrive à gagner de l'argent et on est content. C'est vrai ? Bien sûr. Attends, tu nous as pas montré les desserts. C'est important les desserts quand même. Les desserts, oui, c'est vrai, les desserts. Tiramisu. Alors, tout ça, c'est du fait maison, encore une fois. Tout ça, c'est du fait maison. Donc, on a un tiramisu, cheesecake, panna cotta, brownie, salade de fruits, pain perdu façon madame monsieur et glace vanille. Donc, tout ça à 29 dirhams. Bon, les amis, si après ça, vous me dites comme quoi la carte, elle est chère, il y a un petit problème quelque part. Est-ce qu'on peut voir le chef et qui nous présente un peu tous les plats que tu nous as proposés un peu ici et là ? Alors un petit peu de temps les amis. Ma pizza elle est déjà prête. Bah attends, je fais quoi? J'arrête de faire mon live et je mange ou Adieu les sorties liens. Ah ouais, regardez les amis. C'est parti au four. Oui. Bon, on va la laisser hein, tranquille. Hein. Chocolat chef. Merci. Chef Djanna, il gît ou la Meiji? Il est en train de faire une mise en place. Ah, il est en train de faire une petite mise en place. On va commencer en attendant à présenter les brunchs, histoire de... Alors explique-moi là, donc ça c'est les fameux brunchs que tu proposes ça, les matins. Les brunchs qu'on propose l'habitude. Non, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est normal, tu as raison. Les fameux brunchs qu'on propose samedi, dimanche, d'accord. À partir de 9h du matin à 14h. Jusqu'à 14h, d'accord. Alors celui-ci par exemple, c'est lequel? Celui-là, c'est le frangis. Le Frenchie. Voilà. Ok, donc je vois qu'il y a du pancake, une petite, comment on appelle ça, brochette de fruits, voilà. Trio de viennoiseries, croquettes de pommes de terre, des œufs. Au plat, on les choisit ou pas? Si on a, on peut faire ce qu'on veut avec les œufs brouillés. D'accord. Au plat ou omelette. J'en ai une petite quiche. On a la petite quiche. D'accord, petite quiche, un petit peu de pain aussi pour accompagner le tout. Voilà. Avec. C'est pour le Marocain ça. Celui-là, c'est pour le Marocain. Un jus d'orange pressé minute. C'est tout à fait. Voilà, avec une boisson chaude. C'est d'accord, ça c'est. Celui-là c'est le principe. Il a combien? 49 dirhams. 49 dirhams? Voilà. Genèse. Le Reda? Là c'est le petit marocain. Donc le petit marocain avec Bahrir, Harcha, Msemen, les œufs Khalir. Voilà, croquettes de pommes de terre. Et toujours la petite quiche. Je vois qu'il y a un cheesecake, c'est ça? Voilà. Alors, cheesecake et... Un petit cheesecake et un petit tiramisu. Un petit tiramisu avec une petite brochette de fruits, voilà. Petit barrette d'ateil, toujours du pain et un blou, zit, et le jbel. Et ça, il a combien? 49 dirhams. 49 dirhams les deux? Les deux. Et t'arrives à gagner de l'argent encore une fois? Il faut croire que oui. Bah, bravo frérot, là, bravo. Bon, le chef, il arrive ou on va continuer? On continue. Alors, tout à l'heure, tu me parlais justement des Pokéballs. C'est ça? Le Poké. Donc, le fameux Pokéball. Alors, très équilibré. Que du produit frais. D'accord. Donc, je vois qu'il y a des tranches de saumon. On a du saumon fumé. Voilà. Un tartare de saumon. On a de la quinoa. Quinoa, exactement. Tomates cerises, du concombre, carottes, brocoli, avocats, c'est du gingembre. Exactement. Et la petite touche maison, la petite sauce sésame torréfié. D'accord, voilà. Ok. Et ça, c'est comme ça que c'est présenté à chaque fois. Comme donc ça c'est pas présenté. Une petite... Non, pas du tout. C'est les amis, regardez là, ça c'est la taille du couteau. Bon, c'est pas un petit couteau quand même. Hein. Regardez la taille, je sais pas si ça vous donne un ordre d'idée, mais c'est quand même balèze, il faut le finir. Hein. Voilà. Moi je mange ça, j'ai plus faim après. C'est fait pour. D'accord, ok. C'est fait pour. Équilibré. En face, qu'est-ce qu'on a en face? On a la tomate burrata. La fameuse tomate burrata. D'accord. On a la tomate façon tartare.
Ok. Avec une sauce maison à base de basilic. D'accord. Voilà. En fait, une sauce pesto accompagnée de tomates de roquettes, voilà. De tomates séchées, exactement, et du parmesan. Et du parmesan. Magnifique. Et la fameuse burrata, très coulante, ouais. Très goûtue. Excellent. Ça donne envie tout ça. On continue. Là, donc, on a. C'est un de nos plats. D'accord, donc là c'est une. Ça c'est le saumon plancha. D'accord, saumon à la plancha, ok. Avec un lit d'épinard. Un petit lit d'épinard, les amis, voilà. Des pommes nouvelles. Et la petite sauce. Je vois qu'il y a du thym à l'intérieur. C'est du. Oh là là, il faudrait que je demande au chef s'il a. Non, c'est une petite sauce blanche au thym. C'est ça. Voilà, d'accord, avec des petits légumes, les amis, voilà, sur son lit d'épinard. Une petite dame de saumon, comme vous le voyez, pomme grenaille. Ça, c'est la salade qui accompagne. Une petite salade en plus qui accompagne. Ok. Là, nous avons le fameux sandwich. Donc, celui-ci, c'est lequel que tu nous as préparé ? Celui-là, c'est le plus gros. C'est le Royal. C'est le Royal, d'accord. Le Royal, il a combien ? Il a 45 dirhams. 45 dirhams. Donc, je vois qu'il y a merguez à l'intérieur. Il y a des petits steaks. Là, j'aime bien les petits steaks de viande hachée à l'intérieur. Voilà. C'est sympa, c'est bien fait. Voilà. Salade tomate. De l'oignon, je suppose, non ? De l'oignon. Du fromage. Fromage cheddar. Voilà coulant. On a des petites sauces ici, je suppose que là on a une sauce cocktail et une autre sauce à côté, je reste persuadé qu'il y a Finzer Eye. Voilà. D'accord. Avec des frites les amis pour accompagner. La pizza jelly. Voilà. Vous l'avez vu tout à l'heure les amis, à un moment elle allait sortir. Et ben vous la voyez maintenant en face. Superbe. Anouar, alors est-ce que tu proposes la livraison si les gens veulent commander ? On propose la livraison aujourd'hui. Ça d'accord. Va pas tarder sur les différentes plateformes. Sur les divers, plateforme. D'accord. Néanmoins, on sera prêt dans un futur très très proche sur les plateformes. Mais aujourd'hui, on fait une livraison par nous soins. D'accord, c'est vous qui livrez de vous-même. D'accord, ok. Tu connais ton numéro de téléphone si les gens veulent commander ? Par cœur ? Ouais ? Non, toujours pas. Tu connais toujours pas par cœur ? On l'a sur les cartes. Et sur les brochures ainsi que sur le compte Insta et Facebook. D'accord, ok. Le compte Insta, Facebook, c'est quoi exactement ? On tape quoi ? C'est le restaurant Madame Monsieur. Madame Monsieur Casablanca directement et on tombe directement sur la page. Ok, tu peux me resituer l'endroit, je l'aurais montré depuis Zertoni comment on arrive ici, etc. Mais toi, peut-être que tu as une autre façon de présenter. En fait, on est à l'angle de deux intersections. D'accord. C'est la rue de la Paix. Rue de la Paix. Qui est aujourd'hui rue Assine. Assine. Et rue tu prends en cours. Ah, c'est comme ça, vous voyez les amis, il n'y a pas de réflexion, on est en direct, c'est comme ça, c'est fait en direct live. Comme ça, en même temps, je vais en profiter pour leur donner le numéro de téléphone. Voilà. Donc, Ibn Malik. Ibn Malik. D'accord. Donc, le numéro de téléphone, 05 22 94 70 80, 94 93 93 ou sinon. Angle rue Ibn Malik avec rue de la Paix, donc Assine, d'accord, c'est ça. C'est quartier Assine à Casablanca. Voilà, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram ou sur le compte Facebook de Madame Monsieur. On était en compagnie de Anouar. Merci Anouar, si je te laisse le mot de la fin pour conclure. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? C'est toujours les bienvenus. Voilà. C'est un endroit agréable où j'ai investi et j'ai mis toute ma vie et mes pensées quelque part. Est-ce qu'on est obligé de venir accompagner de madame ou de monsieur ? Et les enfants. Et les enfants ? Et surtout les enfants. Et les enfants aussi ? D'accord, c'est vrai qu'il y a une formule enfant. Donc là, Anouar, encore pour le temps que tu nous as accordé. Merci. Bravo Alec pour le resto. On te souhaite vraiment plein de réussite, beaucoup de bonnes choses. Bonnes choses, on va dire, et bonne chance, on va dire, dans l'avenir. Merci. Et puis on te dit à très bientôt. À très bientôt. D'accord ? Super. Allez, bye bye. Drali, salam alaikum tout le monde. Bon voilà les amis, on était en direct live, on était sur Sortir au Maroc. Nous étions à Casablanca. J'allais vous dire, le temps n'est pas terrible, mais le soleil commence à repointer le bout de son nez, comme vous le voyez. On était là, on était ici chez Madame Monsieur. N'hésitez pas à venir tester, mettez-moi un petit commentaire une fois que vous avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse. Salam alaikum tout le monde et je vous dis à très vite sur Sortir au Maroc.